Président ivoirien reçu à l'Elysée, c'est la deuxième fois en trois mois qu'Alassane Ouattara et Emmanuel Macron se rencontrent pour évoquer différents dossiers, immigration, sécurité, mais aussi le franc CFA. Cette monnaie est au cœur d'une vive polémique relancée après l'affaire Kémi Séba. De son côté, le président ivoirien assume une position très tranchée sur ce dossier. Notre zone monétaire est une zone solide. La monnaie commune que nous avons est une monnaie qui rend service au peuple africain, qui est une monnaie appréciée, qui est une monnaie qui circule dans les pays voisins, alors qu'aucune des autres monnaies ne circule chez nous. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui a une certaine attractivité. Et je voudrais me féliciter de cette évolution et dire que notre zone continuera d'être gérée de manière rigoureuse et de s'ajuster par rapport aux difficultés extérieures.